sommes quittés sans savoir quel sujet nous allions étudier ce soir. Alors, j'aimerais vous le présenter, l'agneau aux sept yeux. Je vous invite à vous lever pour prier. Éternel notre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être ici pour t'honorer, pour te louer, pour célébrer ton nom et pour recevoir tes grâces et tes bénédictions. Merci pour celles que tu as préparées pour nous ce soir et accorde-nous ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Le titre particulier, l'agneau aux sept yeux, renferme un sujet extrêmement important. Un jour, j'étais en visite sur l'île de la Guadeloupe, mon île natale, et j'étais de passage un soir quand, dans mon véhicule, j'ai ouvert la radio. Et j'ai entendu quelqu'un qui racontait une histoire. Il parlait d'un cochon qui a sept têtes. Sept têtes, trois têtes d'homme et trois têtes de cochon. Ça fait combien d'yeux ? Combien d'yeux ? 14. J'ai été très intéressé par l'histoire et j'ai écouté attentivement l'émission. Et l'animateur disait que c'est vrai, que ce cochon existe. Il a donné l'adresse et il dit, tous ceux qui veulent aller vérifier, vous pouvez aller voir. Le téléphone a sonné et quelqu'un a pris la parole en disant, je suis celui qui nourrit le cochon. Et c'est donc moi qui chaque jour apporte de la nourriture dans une grotte pour nourrir les trois têtes d'homme et les trois têtes de cochon. Si vous ne me croyez pas, alors je vous donne rendez-vous à l'heure qui vous convient et je vous emmène le voir. Malheureusement, je prenais l'avion le lendemain, sans quoi je vous aurais amené cette photo. Mais ce soir, nous allons parler d'un phénomène étrange lui-même. Personne n'a encore vu un agneau avec sept yeux. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean assiste à une scène étrange et particulière. Et nous allons donc découvrir les acteurs de cette scène. En Apocalypse 5, verset 1er, nous lisons, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et au verset 3, « Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Au verset 6, Jean nous dit, en décrivant la scène, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. »
une scène étrange, une scène bizarre. Et j'avoue qu'elle est si bizarre qu'il est difficile même de l'imaginer. Mais qui sont les personnages que nous voyons dans cette scène? Il y a d'abord quelqu'un qui est assis où? Sur un trône. Il a dans sa main un livre scellé, scellé de 7 sceaux. En plus, il y a autour de son trône 4 êtres vivants et 24 vieillards. Jean regarde et il voit quoi? Un agneau qui est là comme immolé. Et la description qu'il fait de cet agneau est étrange. Un agneau qui a combien de cornes? Combien? 7 cornes et il a 7 yeux. Jean nous dit que les cornes et les yeux représentent les 7 esprits de Dieu. Alors, que représente le livre en question, ce livre scellé? Qu'est-ce qu'il représente? Vous savez, dans cette histoire, il y a quelque chose de primordial et de particulier. Puisque lorsque Jean regarde, il voit un ange. Et cet ange pose une question. Et la question est, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Le prophète Ézéchiel semble avoir eu une vision semblable. Si nous lisons Ézéchiel 2, verset 10, « Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. » Dans le Deutéronome, au chapitre 31 et au verset 26, nous avons encore une explication qui pourrait être accordée à la signification et à l'identification de ce livre. Au verset 26 du chapitre 31, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il a été difficile jusqu'à présent pour les théologiens, les pasteurs, les biblistes de dire exactement ce que représente le livre que Jean a vu dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Mais comme c'est un livre scellé, il faudra attendre qu'il soit décellé pour savoir quel en est le contenu. Alors des théories ont été échafaudées, de nombreuses théories. Certaines personnes pensant que ce livre n'est rien d'autre que le livre de vie dans lequel sont inscrits les noms de ceux qui sont sauvés. D'autres, comme c'est mentionné dans le Deutéronome, ce livre pourrait être simplement le mandat ou le contrat ou la constitution de Dieu le liant à son peuple. Ce livre pourrait être aussi tout simplement un édit particulier de Dieu. Mais ce qui est important dans cette vision, c'est que une question est posée. Et que signifie la question de l'ange? Tout d'abord, pour bien comprendre le contexte
de cette scène, qui est une scène très sérieuse, très particulière, à laquelle Jean assiste. Essayons de lire ensemble. En Philippiens 2, verset 8, un texte écrit par Paul qui nous donne des indications sur ce qui se passe au moment où Jean voit cette scène de l'agneau immolé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Revenons à Apocalypse 5 pour comprendre les paroles de Paul maintenant. Car en réalité, la scène à laquelle nous assistons ressemble étrangement à une scène d'intronisation. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean avoue qu'il pleura beaucoup. Il pleura. Et nous allons nous poser la question, mais pourquoi il pleure? Eh bien, un vieillard lui dit, ne pleure pas. Un des 24 vieillards lui dit, ne pleure pas. Ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Qui est ce lion de la tribu de Juda? C'est vous qui le dites. Parce que les Rastas disent que le lion de la tribu de Juda, c'est l'empereur Haïlé Sélassié, qui est le descendant de Ménélique, le fils que Salomon aurait eu avec la reine de Saba. Je vous signale que Salomon était un noir, la reine de Saba aussi, mais Salomon est un noir spécial. Il était né roux dans sa famille. Il était un petit peu albinos. C'est pourquoi dans les descriptions que nous trouvons de Salomon, on le décrit avec des yeux bleus et des cheveux blancs. Mais dans la réalité, il n'était pas vraiment blanc. Il était noir. La reine de Saba, elle, était la reine d'Éthiopie. Elle est venue de très loin. À l'époque, la reine d'Éthiopie régnait aussi sur le Kenya, régnait sur le Soudan, régnait sur toute cette région. Car en réalité, l'Éthiopie que nous connaissons aujourd'hui est un découpage colonial, mais l'Éthiopie allait jusqu'au fleuve Congo, en Afrique centrale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion, dans l'une de mes prédications, d'oser dire que le pays de Canaan, c'est tout cela. Et que le jardin d'Éden se trouve en Afrique centrale. Bon, vous allez me dire, écoutez, mon pasteur, arrêtez de raconter des histoires. Ça, c'est vous qui avez inventé ça. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, s'il y a une région fertile, riche, où il y a de l'or, toutes sortes de métaux, où il y a toutes sortes de richesses, c'est bien le bassin du Congo, c'est bien la région du Grand Lac. Et j'aimerais vous dire deux choses. Ce soir, quand Dieu a promis de ramener son peuple, il lui a promis de l'emmener dans un désert? Oui ou non? Non! Il a choisi le chemin du désert, mais il ne l'a pas amené dans un désert. Il l'a amené dans un pays où coule le lait et le miel. Avez-vous déjà vu un fleuve où il coule du lait? Si vous avez déjà vu cela et vous savez où, dites-le moi.
Bon, moi, je n'aime pas trop boire du lait, mais je connais des gens qui ne peuvent pas s'en passer, et ce serait un bon moyen pour eux d'aller s'abreuver gratuitement. Mais mes amis, dites-moi, s'il n'existe pas un fleuve où coule le lait, comment peut-on avoir du lait? Bon, je ne parle pas du lait maternel, hein. Je parle du lait. Eh bien, mes amis, pour avoir du lait, il faut du bétail. Et ce bétail doit pouvoir se nourrir dans de verts pâturages, pas dans un désert. Maintenant, vous avez déjà vu un robinet où vous pouvez récupérer du miel. Vous savez, pour avoir du miel, il faut accepter de se faire piquer par les abeilles. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire à ses enfants? Qu'il allait les emmener dans un pays d'abondance. Seulement, lorsqu'en 1948, l'État d'Israël s'est installé dans cette région désertique où il ne pleut que 53 jours par année. Vous croyez que c'est ça le pays de Canaan? Certainement pas. Je vous signale que l'Afrique est plus grande que les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe réunies. Ce n'est pas l'objet de notre réunion ce soir. Notre étude vise simplement à attirer votre attention sur la question de l'ange. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? En fait, c'est une question importante. Et Paul nous donne la réponse. C'est celui qui s'est humilié, qui est descendu sur terre pour prendre la situation de l'homme en main et lui donner une suite heureuse. Mais vous posez aussi une question tout à fait normale. Qui sont les quatre êtres vivants? Je dois vous avouer que j'ai passé des années à me casser la tête sur cette question. Qui sont les quatre êtres vivants? Il y a eu beaucoup de théories autour de cette question. Mais ce soir, j'aimerais vous rappeler que la Bible déclare que les choses révélées sont à Dieu et les choses cachées sont à l'homme, c'est ça? C'est totalement l'inverse. Il dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et les choses cachées sont à Dieu. Et sur la base de cette déclaration, il serait bon d'étudier pour savoir si Dieu a révélé l'identité de ces quatre êtres vivants. Apocalypse 5, verset 6, Jean déclare, « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. Et quand il eut pris le livre, nous dit Jean, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand l'agneau prend le livre, les quatre êtres vivants l'adorent. Si nous allons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 2, nous découvrirons déjà une description qui nous met sur la voie. Pourquoi? Parce que la vision d'Apocalypse 5 est une vision du trône de Dieu. Et permettez-moi de vous poser une question. Combien de trônes Dieu a-t-il, à votre avis? Vous n'avez pas d'avis. Vous n'êtes pas vivant non plus. Les quatre êtres sont vivants, mais pas vous. À votre avis, combien de trônes Dieu possède-t-il? Un trône.
Qu'est-ce qu'il ferait avec deux trônes? D'ailleurs, Jésus dit qu'il est assis sur le même trône que son Père, à côté de lui. Et il dit plus que cela. C'est une sorte de trône du genre transport en commun. Il dit qu'il va nous faire asseoir aussi sur le même trône. Il a un trône. Donc, toutes les fois où un prophète décrit une scène autour du trône de Dieu, il s'agit du même trône et de la même scène. Le prophète Ésaïe nous dit, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. » Et le verset suivant, Ésaïe nous dit, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Saint, Saint, Saint. Il y a des gens qui disent que Dieu est trois fois saint. Vous le croyez ou pas? Oui? Oh mes amis, si Dieu est seulement trois fois saint, Dieu n'est pas saint. Dieu est mille fois saint. Dieu est saint tout simplement. Mais cette référence à Dieu trois fois saint, je suppose, c'est une supposition, que lorsque les séraphins qui sont autour du trône se tournent vers le Père, ils disent « Saint ». Quand ils se tournent vers Jésus, ils disent « Saint ». Et quand ils se tournent vers le Saint-Esprit, ils disent « Saint ». Et ils s'adressent à la divinité. Mais, remarquez bien, dans le livre des Chroniques, au chapitre 3 et au verset 10, deuxième livre, il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Là, nous avons une autre notion. Deux chérubins sculptés dans la maison de Dieu. Le prophète Ézéchiel nous fait aussi une description du trône. Une description intéressante. En Ézéchiel 1er verset 10, il dit, « Quant à la figure de leur face, parce qu'il parle, il parle de quoi? Des quatre êtres vivants, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. » Voilà la description qui est faite des quatre êtres vivants. Alors, nous avons vu, dans un premier temps, qu'il y a des chérubins, des séraphins au-dessus du trône. Mais il y a aussi des chérubins qui sont sculptés sur le propitiatoire de l'arche et qui représentent le trône de Dieu. Le prophète Ézéchiel nous dit qu'il y a quatre êtres vivants qui ont chacun quatre faces. Vous avez noté cela? Une face d'homme, une face de bœuf, une face de lion et une face d'aigle. Ils n'ont pas quatre têtes. Alors, je me suis posé la question, et je vous la pose aussi. Combien de faces avez-vous? Dites-moi, combien de faces? Celui qui trouve... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié la récompense. Bon, combien de faces avez-vous? Une face, c'est ça? Montrez-la-moi. Mettez votre main sur votre première face. Mais mes amis, vous pensez que votre tête est ronde, mais votre tête est carrée. Vous avez une face avec deux yeux. Les enfants diraient deux nez, enfin une narine.
deux narines et un nez et une bouche. Mais sur la face de droite, vous avez quoi? Une oreille, tandis que sur la face de droite des chérubins, il y a deux yeux et une bouche. Et deux yeux de lion et une gueule de lion. Ézéchiel nous dit que sur l'autre face, il y a une face de bœuf avec deux yeux et une bouche de bœuf. Et derrière, il y a encore une face avec deux yeux d'aigle et un bec. Vous n'y aviez pas pensé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tout cela représente? Le prophète Ézéchiel nous dit que ces quatre animaux, puisqu'il les présente comme des animaux, qu'il a vus près du fleuve du Kébar, en regardant le trône de Dieu, c'était des chérubins. Donc les quatre êtres vivants sont quatre chérubins, avec quatre faces chacun. Et c'est la raison pour laquelle, dans la description, il est dit qu'ils ont des yeux partout. Maintenant, mes amis, combien de chérubins existent-ils? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Cette fois, laissez-moi voir si j'ai... Non. Combien de chérubins existent-ils? Qui a la bonne réponse? Osez répondre. Il y en a 5. Il y en a 5. Et il y a un sixième qui a remplacé le quatrième qui est déchu. La Bible ne dit-elle pas que Satan était un chérubin protecteur? Il faisait partie des quatre autour du trône. Mais lorsqu'il a quitté le trône, il a été remplacé. Et il a été remplacé par l'ange Gabriel. Donc ça fait combien de chérubins? Combien? Ça fait 5. Il y en a un qui est déchu et qui nous embête. Alors qu'il est un chérubin protecteur, il est maintenant devenu un chérubin attaquant, dangereux, qu'il rôde comme un lion rugissant. C'est pourquoi il est beau. C'est un bel ange. N'allez pas dire aux gens que Satan est noir, parce que c'est grave. Qu'il a une longue queue, qu'il a deux cornes, et qu'il a des yeux brillants, rouges, avec une fourche, prêt à rôtir les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit qu'il a été corrompu par quoi? Par sa beauté. La question suivante est importante. Maintenant, nous savons que les quatre êtres vivants que Jean a vus, ce sont des chérubins. Quelles sont les caractéristiques, par contre, des 24 vieillards qui se trouvent autour du trône? En Apocalypse 4, verset 4, il est dit, « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. » Qui sont les 24 vieillards? Il y a beaucoup de théories aussi. On sait qu'en Israël, il y avait 24 classes de prêtres et de sacrificateurs. Mais le nombre 24, c'est 2 fois 12. Donc certains théologiens ne se sont pas gênés pour dire que les 24 vieillards représentent les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Jean nous dit que ces 24 vieillards sont couronnés. Ce sont donc des princes. Mais Jésus nous dit aussi qu'il fera de nous des princes. Ils sont assis sur des trônes, donc ils sont dans une position d'autorité. Et revêtus d'une robe blanche,
Ces 24 vieillards sont devant le trône et autour du trône. Et en même temps que les quatre êtres vivants, ils adorent l'agneau. Alors, une dernière théorie qui a circulé pendant des années voudrait que les 24 vieillards soient des représentants des personnes ressuscitées depuis que la terre existe, parmi lesquelles se trouvent Enoch, Moïse, Élie, etc. Pourquoi pas? Certains disent qu'il s'agit de personnes qui sont montées avec Jésus le jour de sa résurrection. Personnellement, je ne sais pas qui ils sont. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont autour du trône et représentent l'humanité rachetée par le sang de Jésus. Et c'est un symbole qui veut nous donner l'assurance du salut, l'assurance de la résurrection. Et devant le trône, quand l'agneau prend le livre, que font les 24 vieillards? Ils se prosternèrent devant l'agneau. Seulement, ce sont aussi des musiciens, parce qu'ils ont une harpe et des coupes d'or. Et devant le trône, en adorant l'agneau, ils chantent. C'est une chorale. Vous savez, nous aimons les chorales, n'est-ce pas? C'est une chose extraordinaire. Ils chantent. Et ils chantent un cantique nouveau. Alors, que se passe-t-il vraiment quand l'agneau prend le livre? Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur le verset que nous venons de lire et sur les versets suivants. Quand l'agneau prend le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant qui? Devant l'agneau, immolé. Et il l'adore. Il chante. Seulement, il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quelles sont les paroles du cantique? Tu es digne d'ouvrir le livre parce que tu as été immolé. Et tu as été immolé pour racheter les hommes de toute tribu, de toute nation et de tout peuple pour en faire un royaume. Comprenez, chers amis, que cette scène est vraiment une scène d'intronisation. Car l'agneau au milieu du trône reçoit les honneurs. Et le cantique dit, tu es digne d'ouvrir le livre. Alors pourquoi l'agneau peut-il prendre le livre? Pour quelle raison? L'un des vieillards me dit, ne pleure point, car l'agneau que tu vois là, c'est un lion. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le fils de David, né de la descendance d'Obed, de Naomi et Boaz. Le fils de David. Ce n'est pas n'importe qui. Il est digne d'ouvrir le livre. Oh, mes amis, laissez-moi vous dire, c'est difficile d'ouvrir un livre. Est-ce qu'on a besoin d'un rang social particulier pour ouvrir un livre? C'est un geste mécanique. Pourquoi faut-il être digne pour ouvrir ce livre-là? C'est parce que la question de l'ange n'est pas qui est digne d'ouvrir le livre. La question de l'ange est qui est digne et capable de sauver les hommes. Seul l'agneau
peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Et c'est ce que nous dit Luc dans le livre des Actes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, finalement, que représente cette scène? Cette scène représente vraiment le moment où Jésus prend le pouvoir après sa mort, après sa victoire sur le péché, sa victoire sur Satan. Il lui a écrasé la tête. Il doit maintenant être adoré. Il est digne de toute adoration. Et c'est pourquoi Jean nous dit, Apocalypse 5, verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « Quoi ? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Vous venez d'assister par la foi à la scène d'intronisation du roi des rois, Jésus-Christ. Alors, pourquoi l'agneau peut-il régner? Nous avons donc la réponse dans le cantique que chantent les 24 vieillards. Parce que tu as été immolé, tu es digne d'ouvrir le livre. Tu es digne de sauver l'humanité. Tu es digne de conduire tes enfants. Tu es digne de marcher avec eux. Mais, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 10. Le verset 10 nous dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Savez-vous que Jésus-Christ lui-même a déclaré que le monde est sous la puissance de qui? Donc, si le monde est sous la puissance du malin, le roi du monde, c'est qui? C'est le malin. Et les sujets de son royaume sont les hommes qui vivent sur la terre. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont cédé à Satan leur prérogative de prince sur cette terre. Et Satan est devenu le prince de ce monde. C'est Jésus même qui le dit. Il a fallu que Jésus vînt pour créer un nouveau royaume. Et c'est pourquoi Jean nous dit, tu as fait d'eux, par ton sang, un royaume. Aujourd'hui, le royaume de Dieu existe sur terre. Le savez-vous? Il existe sur terre et il est composé de qui? Des rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et il a fait de ceux-là des sacrificateurs. Oh mes amis, si nous croyons que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous sommes tous membres de son royaume. Et nous sommes en même temps ses sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle les sacrificateurs en Israël ne buvaient pas d'alcool. Il leur était interdit de boire des liqueurs. Et si aujourd'hui, je me considère comme un sacrificateur dans le royaume de Dieu,
Pasteur Capricorn, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je ne dois pas boire de l'alcool. Ce n'est pas une affaire de je suis adventiste, je ne bois pas de l'alcool. Si je ne le bois pas en public, je le bois en cachette, c'est possible. Mais si je crois que je suis un sacrificateur du royaume de Dieu, il y a des choses que je faisais et que je ne dois plus faire. Je ne bois pas d'alcool. Les femmes des autres, ça les regarde. Je ne me permets pas d'aller passer toute la nuit en train de gesticuler et revenir au travail fatigué parce que je me suis amusé. Je vais dans mon lit et je fais ce qu'on doit faire dans un lit. Si je suis seul, je sais ce que je dois faire. Si je suis avec ma femme, je sais ce que je dois faire. Mais à un certain moment, il faut dormir. Parce que le lit est fait pour dormir. Il y a des endroits où je ne vais pas. Non pas parce que ma religion me l'interdit, mais parce que je suis, quoi? Un sacrificateur du royaume de Dieu. Jésus a donné son sang, il m'a racheté, il a été immolé, il est digne maintenant de diriger ma vie parce qu'il est devenu mon roi et je suis membre de son royaume. Voilà la raison. C'est pourquoi lorsque Jean vit Jésus arriver, il déclara, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Savez-vous que Jésus a un défi à relever? Et savez-vous que Jésus a lancé aussi un défi? L'agneau doit relever un défi. Et en quoi consiste le défi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront où? Sur la terre. Vous voulez aller régner au ciel, c'est ça? C'est au ciel que vous voulez régner? Non, sur la terre. Le moment viendra où Jésus installera définitivement son royaume sur la terre. Pour l'instant, nous sommes un royaume spirituel et fictif, dans la mesure où notre roi est au ciel et le monde est sous la puissance du malin. Mais son royaume existe et il le dit. Maintenant, il ne faut pas confondre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et bientôt, nous ferons partie du royaume des cieux. Alors, un jour, un homme du nom de Nicodème était tellement soucieux de savoir comment faire partie du royaume de Dieu. Il alla voir Jésus de nuit. Et il lui posa la question, « Dis-moi ce que tu fais, pourquoi tu le fais et qui te dit de le faire ?» Jésus lui répond, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut ?» Attendez, j'entends voir, je vais voir parce que j'ai un problème. C'est voir que vous voyez là. Il ne peut entrer. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie de son royaume, il faut faire quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. Vous avez déjà assisté à un accouchement? Peut-être. Mais tout le monde sait que lorsque la femme est prête à donner naissance à un nouveau bébé, que ce soit le premier ou un autre, il faut quoi? Il faut qu'elle passe par un chemin bien précis, le chemin des eaux, la perte des eaux. Une fois que l'on commence à voir les eaux, on sait que le bébé approche. Eh bien, la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, passe par l'eau aussi. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En Jean 17, verset 2, Jésus prononce une prière et il déclare qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir de nous faire naître de nouveau. Mais il accorde la vie éternelle à qui il veut et à tout le monde. C'est bien ça? Il accorde la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés, à ceux que le Père a appelés et qui ont répondu à l'appel. C'est pourquoi, Père, dans sa prière, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oh, chers amis, la naissance d'eau est un acte très, très, très important. Car c'est le début de la nouvelle naissance. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Question importante. En Actes 3, 19, c'est Pierre qui parle. Et voilà ce qu'il dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pierre leur dit encore, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Première chose, dites-le, repentez-vous, changez de conduite, changez de direction. Si par le passé vous aviez pris une direction particulière et que le Seigneur vous révèle ce soir que vous devez prendre une autre direction, n'hésitez pas à la prendre. Car pour entrer dans son royaume, la porte, il l'a déjà décrite, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Seulement, j'ai assisté à l'une des cérémonies de baptême la plus extraordinaire de ma vie, sur l'île de Fogo, au Cap-Vert. Les images que vous allez voir sont extraordinaires, parce qu'il s'agit d'un baptême réalisé dans une prison où plus de 40 personnes emprisonnées ont donné leur cœur à Jésus. Je sais que vous aviez envie d'écouter tout le chant, n'est-ce pas? En portugais et en créole portugais. Ces jeunes prisonniers ont décidé de changer de vie, ont décidé de donner à leur vie une autre direction. Et quoi qu'emprisonnés, certains n'ayant peut-être même pas l'espérance d'être libérés, même en prison, même dans le couloir de la mort, ils sont vivants pour Dieu et membre de son royaume. Vous pouvez faire la même chose. Si vous vous sentez prisonnier de votre vie, prisonnier de vos problèmes, prisonnier et esclave du péché, alors donnez votre vie à Jésus et vous connaîtrez la délivrance. Notre dernière question pour ce soir, qui sont ceux qui pourront adorer l'agneau lorsqu'il reviendra devant son trône? Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir
droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et Pierre déclare, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ce soir, j'aimerais poser une question. Sentez-vous libre d'y répondre? Mais je vous demanderai de faire un geste en réponse à ma question. Quels sont ceux qui voudraient naître de nouveau? Laissez-moi voir la main de ceux qui voudraient naître de nouveau. Une main, deux mains, trois mains. Ce n'est pas un piège. Que vous ayez décidé de naître de nouveau ou pas, c'est votre problème. C'est une décision que l'on prend entre Dieu et soi-même. Si c'est pour me faire plaisir que vous levez la main, ne la levez pas. Mais si c'est pour faire plaisir à Dieu, levez-la bien haut pour que le Seigneur puisse prendre en compte lui qui vous voit du haut du ciel et il le notera dans son livre de vie.